juste permettre à la manifestation de se manifester et à la création de se créer. Nous avons juste à nous convertir, pas à une religion, mais à l'amour. Donc c'est toute une aventure, effectivement, parce que commencer avec ça, ça peut être un peu compliqué quand on arrive avec des poids, des valises, des malles, enfin, la quantité est variable selon chacun d'entre nous, mais on a tous son petit ballon, voilà, donc à déposer de son dos, et parfois, il y a des choses récurrentes qui reviennent, on le sait tous, pour nous en libérer justement, et pour nous ouvrir complètement à ce grand cœur de la vie, de l'amour, de l'être que nous sommes, l'être libre, fondamentalement libre que l'on est et qui est et qui demeure dans cette grande ouverture, dans ce qui n'a pas de temps ni de forme, mais qui les prend toutes à partir de là, en effet, et juste pouvoir se laisser toucher, émerveiller par la grâce de la vie, de chaque instant, du vent qui se lève, du soleil qui brille, de la lune qui se pose, de l'oiseau qui chante, de l'oiseau qui tombe aussi, qui se blesse et qui se relève, comme nous. Et c'est laisser vraiment les oiseaux, pour moi, c'est vrai que c'est tous les animaux, de toute façon, sont vraiment importants. Pourquoi ? Parce que en fait, ils ne se posent pas de questions. C'est important de s'en poser évidemment parfois pour pas faire entre guillemets n'importe quoi. C'est encore un peu un jugement, mais une appréciation en tout cas. Et eux, ils chantent, ils mangent, ils se posent. Quand un oiseau fait son nid, il s'occupe de juste faire ce qu'il a à faire et il est tout à cela, parce que s'il ne le fait pas, il sait aussi que la vie peut s'arrêter pour lui. Donc il existe juste dans la simplicité de l'instant. Voilà. Et être simple, pas simpliste, évidemment, mais être simple au plus profond de soi, voilà, pour laisser la vie s'exprimer et nous saisir à bras le corps, à bras le cœur, j'ai envie de dire, et permettre juste à ce goût du cœur de se retrouver, à ce goût d'ailleurs que l'on sait, que l'on a perdu, oublié, de se retrouver, mais dans une autre manifestation cette fois, parce que on est plus vivant, plus conscient, plus libre, fondamentalement libre, vraiment, on est fondamentalement libre, et cela ne pourra jamais nous être retiré. C'est vraiment à vivre, et il y a un moment donné, on le sait, pour chacun d'entre nous, quand les choses se pensent, se disent, c'est naturel, ça passe par là, nous sommes des êtres, entre guillemets, normalement constitués, qui avons besoin de penser, ou d'un coup ça descend dans le cœur, et après ça remonte pour être, effectivement, le mental est aussi un serviteur, doit nous servir. Ah, il y a encore un oiseau qui vient se taper dans ma vitre, voilà, mais qui est reparti, donc tout va bien, excusez-moi. Et vraiment, quand on se tape, justement, l'obstacle est rencontré, mais on peut repartir et tout va bien. C'est juste une prise de conscience que ce que l'on comprenait pour une réalité est une illusion. Et c'est de ça dont la vie vient toujours nous révéler, nous réveiller en tout cas. Voilà, et bien descendre dans cette profondeur, c'est retrouver la grotte au plus profond de nous, où l'on trouve tout, le besoin dont on a besoin, le service dont on a envie, l'amour qui sait toujours nous accueillir, il ne nous manque rien. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où on peut le vivre un autre pas, parce qu'on rencontre toutes ces souffrances qui sont passages, entre guillemets, pour moi en tout cas pour l'instant, toujours obligés. Probablement que les enfants qui arrivent maintenant n'auront pas besoin de toutes, en tout cas aussi longtemps, de ces rencontres, puisque le monde est dans son réveil intérieur, dans son réveil extérieur aussi, et que l'enfant pourra être accueilli tel qu'il est, pas tel que l'on veut qu'il soit. C'est ça la nuance qui sera là, et qui est déjà là peut-être, même si on continue toujours de formater,
petit peu, c'est toujours plus rassurant de formater les gens. Même nous, on est rassurés, hein, parfois quand ça rentre dans un moule, parce que c'est des trucs qu'on connaît. Et en fait, là, c'est l'inconnu total et c'est ça la réjouissance parce que ben, tout est un pétillement de vie et laissons-nous surprendre plutôt que nous agiter et craindre la réalité que Dieu fait pour nous à chaque instant. Merci, j'ai un amour infini pour Dieu, je me sens en Dieu et vraiment je comprends quand il est dit qu'il est au plus profond de nous et que effectivement cela est et nous ramène à une paix totale au moment où on voudrait s'en échapper. Il y a juste à revenir, à laisser ce soupir, cet expire se poser qui est peut-être même celui de la mort au moment où on quitte ce plan, laisser cet expire infini se manifester pour renaître à la vie. Voilà mes amis, je vous souhaite une merveilleuse journée et en tout cas de laisser votre cœur chanter, danser, jouer. Voilà, c'est vraiment à cette vie que je nous invite. La joie, la danse, le chant, se laisser enchanter. Voilà, et non plus malmener. Merci et très belle journée.